Bonjour tout le monde et bienvenue pour le 5e épisode de Arc Fjordur. Dans le dernier épisode, nous avons tamé un Fjord Hawk, vous savez, ce petit piaf bien utile qui nous rapporte nos stuff en cas de pépins. Dans cet épisode, encore du tamming avec même un double tamming de Desmodus. Bon visionnage à tous, tchuss! Bon, on se retrouve dans la neige pour ce début d'épisode. J'ai trouvé une Snowhole 145, ça c'est vraiment chouette. C'est le cas de le dire, hein. Alors non, c'est pas toi, voilà, c'est elle. Ah, franchement, j'adore les Snowhole. C'est peut-être un de mes volants favoris en termes de... En termes de skin, en termes de design, voilà. Je vais juste poser mon piège ici, je pense que ça sera très bien sur ce plateau-là. Alors je vais pas m'embêter, hein, je vais faire un piège avec les trois portes, hein, ça ira très très bien. Il faut juste faire en sorte qu'elle ne puisse pas sortir à travers les portes et tout se passera très très bien. Voilà, la deuxième porte est posée, maintenant on va l'ouvrir. Voilà, j'espère juste qu'elle ne pourra pas passer, normalement c'est bon, hein, autant vérifier. Allez, on est parti. Mais ça se trouve, je peux peut-être l'attirer comme ça à l'arbalète sur moi. En fin de compte, ça serait très bien parce que l'Argentavis, lui, ne va pas passer dans les portes. Et ouais, si je rentre avec, eh ben, je pourrais plus ressortir. Ce serait dommage. Bon, apparemment, je la vois pas de là. Je vais quand même prendre l'Argentavis pour aller la chercher. Et puis, advienne que pourra, comme on dit. On va essayer de reprendre l'aggro manuellement à l'arbalète, lui tirant dessus. Alors, où est-ce qu'elle est? Ouais, c'est bien toi. Allez, c'est parti, on y va. Oh, elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Allez, prends aggro. Ok, apparemment, elle m'a capté. Est-ce qu'elle est vraiment sur moi? Oui, c'est bon, elle est sur moi. Nickel. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à aller. L'emprisonner dans ce piège. Piège en vue, super. Allez, on y va. Je vais juste faire atterrir l'Argentavis ici, hein. Ce sera très très bien. Et on va la tirer manuellement, j'espère qu'elle va prendre l'aggro. Allô? Arrête de tourner. Ah, ça me donne le tournis, bordel. Ah oui, et puis c'est dur à viser quand c'est comme ça aussi, hein. Ok, super, magnifique. Bah par contre, tu prends l'aggro ou pas? Oh, c'est moi qui te tire dessus, hein. Ok, magnifique, c'est bon. C'est moi qui ai l'aggro. Viens par là. Non mais t'avais l'aggro sur moi, bordel. Reste sur moi. Oh. Allez, j'attends qu'elle repasse. Nope, pas touché. Allez, toujours pas. Eh ben, j'en grille un des munitions pour essayer de prendre l'aggro. Hein, c'est pas beau, ça. Allez, voilà, encore une fois. Ah, non. Un smilodon, mais t'es pas invité, toi, au timing. C'est pas toi que je veux apprivoiser, bordel. Allez, dégage de là. Par contre, il faut pas que je tape la snow, là. J'aimerais pas la taper, je sais que ça a pas énormément de vie non plus, surtout que j'ai une arbalète légendaire. Allez, mais tu vas mourir. Foutu snow, foutu smilodon. Allez, meurs. Ok, super, magnifique. Allez, maintenant, la snow, c'est entre toi et moi. Prends l'aggro sur moi. Arrête de taper mon Argentavis si t'as rien fait. C'est moi qui veux t'apprivoiser, pas lui. Ok, apparemment c'est bon, ça y est. Ok, tu gardes l'aggro, j'essaie de pas courir. Non, reviens là. Ok. Super, ok, super, là c'est bon, là ça y est, on y va dans le piège, espérons qu'elle me suive jusque là, oui, magnifique, c'est bon, et voilà, super, Snowhole encagé, ah ça c'est une vraie bonne nouvelle pour le coup, plus qu'à la flécher, allez c'est parti. Bon, apparemment l'arbalète légendaire lui met quand même pas mal de dégâts, hein. Avec le Fjordhawk on peut voir sa vie un peu comme les loups, et disons que, ouais... Ça commence à chuter sérieusement sa vie. Il faudrait pas que je la tue quand même, hein. Est-ce que t'es en fuite? Oui, bon, apparemment t'es bel et bien en fuite. Ah bah c'est bon, ça y est. Ah bah je m'attends. Ok, bah super, magnifique. Oh, par contre il lui reste vraiment pas beaucoup de vie, ça c'est... Waouh, ouais. Ok, super, je pense qu'une ou deux flèches en plus et c'était mort. Bon, je vais essayer de la protéger au maximum si elle veut bien me laisser passer, bordel. Voilà, on va ramasser toutes les portes, les cadres, et puis on va replacer tout ça histoire de la protéger un maximum. Et puis au moins ce sera fait. Voilà. Alors c'est très simple, je vais faire un carré. Voilà, ça veut bien se snap. Super. Allez. Oh, je l'avais. Voilà, nickel, magnifique. Ah bon, plus qu'à trouver une Snowhole de sexe opposé maintenant, hein. Ça va pas être de tout repos, mais on va chercher et on trouvera bien.
Si c'est pas dans cette vidéo, ce sera dans une prochaine. Voilà. Ah, et puis je vais regarder ses stats aussi, même si j'y connais pas grand chose. Ouais, mais quasiment 1500. Oh, 28 points de vie. Ah ouais, d'accord. En fait, il lui manquait plus qu'une flèche et elle mourait. Ah, dur. Oh là là. Ah ben, j'ai carrément bien fait à un moment donné de laisser la torpeur monter, hein. Ça c'est clair. Allez, petit mouton, maintenant c'est à toi de jouer. Et t'as intérêt à me donner pas mal de viande. J'en avais déjà un peu dans l'inventaire. Maintenant je vais pouvoir lui mettre ça dans le bec. On va marquer mouton histoire d'aller plus vite, ça sera beaucoup plus simple aussi. Allez, on lui met tout dans l'inventaire. Voilà, oh ça va très très vite. Déjà 24%, 35%. Oh c'est cool, en vrai c'est cool. Magnifique. Bon bah voilà, un timing parfait en one shot. Je pouvais pas rêver mieux en vrai, hein. La petite Snowl. Franchement, je l'attendais depuis longtemps, la Snowl, j'en ai jamais eu. Et c'est très majestueux, bordel. J'adore en plus les couleurs qu'ils ont. Ah, j'adore. Allez, maintenant en Pokéball. On est de retour à la maison et j'avais envie de faire éclore des œufs de Rex parce que j'ai commencé tout juste la repro des Rex. Bah, j'ai envie d'en faire éclore avec vous, tout simplement. Du coup, j'en ai préparé quelques-uns à une seconde de l'éclosion. Normalement, j'ai tout, j'en ai avoir 5, voilà. Allez, c'est parti, il me faut du 213, je crois, j'irai vérifier, ou 205, je sais plus, 206, bref, je sais plus. 204. Et ben, on ira vérifier ça sur Smart Breeding. Je sais plus si le 204... et le plus haut level que je peux avoir, je ne pense pas, mais bon, on ira vérifier. En tout cas, c'est un peu palo, hein, comme level. je vais les tuer, je vais absolument pas les garder. Je vais juste, par contre, mettre le 204 de côté, histoire de voir si les stats peuvent concorder, à moins qu'il soit bien trop bas level pour les parfaits. Allez, viens là, mon pépère. Viens par là, allez, tout de suite. Eh ben, c'est relativement lent, hein, comme les dinos quand c'est bébé, hein. Voilà, allez, reste là, je vais te donner un peu de bouffe, histoire que tu meurs pas quand même avant que je vérifie tes stats. J'ai peut-être pris un peu trop de viande d'ailleurs. Ah là là, allez, mange. Voilà, mange, c'est bon, t'es en forme, t'es content, super. Eh bien, vous, je suis désolé pour vous, hein, mais vous allez y passer, voilà, c'est comme ça. Et du coup, maintenant, on va continuer les ouvertures. Il me reste 2 à ouvrir. Ok, 198. Oh, ok, des jumeaux, 188. Mais c'est absolument pas le bon level. Je sais qu'ils doivent être plus de 200. Ça, c'est une certitude. Bon, vous vous rappelez de ce Rex 204, hein? Voilà. Eh ben non, pas du tout. Il avait carrément pas les bonnes stats. Et c'était carrément pas le bon level non plus. Voilà, il me faut un 213 à la sortie. Donc clairement, on était encore très très loin. Du coup, je l'ai mangé avec l'Argentavis. Comme ça, vous savez tout. Absolument tout. Pour la fin de cette vidéo, mea culpa, j'ai pas eu le temps de la finir malheureusement. Avec le travail, ça a été relativement compliqué. Mais bon, pas de soucis. Je vais vous passer quelques extraits d'un live qui a été génial. Franchement. On s'amuse comme des fous sur Twitch, n'hésitez pas à passer nous voir. Et puis voilà, je pense que d'ailleurs sur ce live, j'ai atteint les objectifs de cette fin de vidéo malgré moi. J'ai apprivoisé une petite Desmodus, voilà, tranquillement, voire même deux, hein, vous allez voir comment ça s'est passé. Et une Snowl du sexe opposé à celui que j'ai apprivoisé dans cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss, bye tout le monde. Ça, je laisse ça ici. Ça, on continue de se faire des poches de sang. Puis j'ai envie de dire, let's go, hein. On reviendra si jamais on a besoin de donner des narcos au Doed. Mais c'était long. Bah ouais, tu m'étonnes. Non, et puis surtout que là, en ce moment, j'ai pas énormément de temps de jeu. Donc, m'en voulez pas si je fais pas des choses... extraordinaire pour nous. Ça viendra. Pour l'instant. Ça irait mieux en août. Exactement. T'as tout compris. Oh, cette vue. T'as vu ça?
l'est. Par contre, faut que je fasse attention à ma stam avec ce truc. Hein. Parce qu'autrement, je suis pas sûr qu'il apprécie que je l'amène dans l'eau. Ok, il y en a deux maintenant. 90 et 20. Enfin, la 90, hein, je pense. Ok, alors. Celle qui vient en première, c'est celle qu'on doit tuer. Ah. Nina. Pas au pire la 20. Alors la 20 elle est déjà... Ah quand tu disais qu'il se faisait des passes, c'était pas une connerie en fait Arceus. Large. Je pense, hein. Bah celle-là, elle est tannée. Déjà. Voilà. Il y en a deux. Et maintenant, il reste plus qu'elle. Ok. Et là du coup avec juste ce que j'ai tapé, elle a récolté. Ah oui d'ailleurs ça se crafte comment ça? Parce qu'au final je pourrais peut-être 200. Et bon on va farmer ça, je vais donner ça au doed, ça ira plus vite. Allez meurs. Attends je te l'aime, ouais je sais. D'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire, mais c'est pareil, il faut que je me refasse du gâteau. 130. 87 poches. Bah, c'est bien, je peux la faire ma fiole. Est-ce que la fiole ça se conserve? Donc c'est-à-dire que là normalement je peux me crafter. Ouais, trop bien. Trop bien. On crafte ça. Je vais donner ça au doed. On est d'accord, on peut donner la fiole à n'importe quel moment du timing. Hein. Merde alors. Ok super. Alors maintenant il y a intérêt à courir. Intérêt à courir. Tu me suis hein. Tu me suis. Parfait. Laisse-moi passer. Fermeture des portes. Et c'est parti. Ensuite, on va aller faire un mouton. Et j'aurai enfin mon couple de Snowball. Et là, je suis content. Là, je suis vraiment content. Quoi? Attends. C'est quoi l'arnaque là? Comment t'es rentré, toi? Super. Comment t'es rentré? Reste là.
mis à part là. C'est pas vrai, ça, oh. Bon, bah, écoute, hein. Je vais pas m'emmerder. Je te dis. Elle passe pas, on est d'accord. Elle était pas censée passer. Attends, elle est en fuite. Hein. Non. Ça tourne au dernier moment, quoi. Piaf de merde. Oh. Oh, oh, oh. Alors là. Alors, par contre, toi. Ok. Yes, c'est bon ça. Je suis content. Ah bah c'est cool. Oh bordel.